Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis du pass de combat de la semaine 6. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser le défi fouiller des coffres à Anarchy Acres. Donc je tiens juste à dire que hier j'ai passé une grosse journée, j'étais en retard sur YouTube hein, parce que j'étais pas là, j'étais pas chez moi. Donc j'ai dû faire les vidéos super tard le soir et j'ai pas pu profiter de ma copine comme je voulais faire les vidéos absolument hier soir. Et la dernière vidéo que j'ai fait c'était excusez-moi, c'était à propos de fouiller les coffres et sans faire exprès je me suis trompé, j'ai montré les coffres de Retyro. J'ai vu pas mal de commentaires très négatifs et franchement je vous félicite pas parce que voilà, tout le monde peut se tromper. Hier je me suis trompé et j'ai bien ressenti dans vos commentaires que il n'y avait aucun soutien quoi, aucune compréhension à part 2-3 personnes qui ont été compréhensifs, dont Mad Max. Et je tiens vraiment à te remercier Mad Max, parce que ça fait plaisir de voir que certains de mes abonnés me soutiennent, même si je fais quelques erreurs. Donc voilà. Alors maintenant, bah, je vais vous montrer tous les coffres de Anarchy Acre. J'en connais 14 et je vais les montrer les 14. Bien sûr, c'est possible qu'ils n'y soient pas tous, parce que les coffres ne sont pas tous à 100% là. Donc je vais lancer en tireur d'élite 2.0. Peut-être que ça augmentera mes chances qu'il y ait moins de monde. Après, je ne sais pas si le mode temporaire est comptabilisé pour les défis. Mais de toute façon, ben, je verrai bien ça en fin de vidéo. Donc voilà, c'est parti. On lance en solo. Alors, pour les coffres d'Anarchy Acre, il y en a un ici. Il y en a un ici. Il y en a deux dans la grange ici. Dans la longue grange. Il y en a un dans la grosse grange rouge. Il y en a un juste dans la petite grange derrière. Alors, il y en a un ici aussi. Il y en a un autre ici. Il y en a deux. Donc, il y en a un ici. Et dans la maison, il y en a deux. Voilà, il y en a un ici aussi. Et il y en a un tout en haut qui se trouve ici. Donc, voilà, je vais commencer par celui-là. Et puis, je vais tous les faire de toute façon. Donc, le premier se trouve ici. Donc, vous cassez ça. Et normalement, il se trouvera juste derrière. Juste derrière ça. Et là, il n'y est pas. Donc là, je vais vous montrer le deuxième emplacement. Le deuxième emplacement se trouve dans la longue grange. Donc je vais monter ici pour y aller directement par le toit. Vous cassez ce toit-là. Et le coffre est juste là. Donc là, ben, il y a un ennemi. Donc je vais essayer de le tuer. Voilà, c'est bon, je l'ai tué. Nice. Endoscope, bien sûr. Hein. Dog life. Bon, je vous avouerai que c'était chaud, j'ai failli mourir. Mais ça va, je suis toujours en vie. Donc il y a un autre coffre. Donc là, je vous ai montré le coffre qui était là-haut. Là, il y a un autre coffre juste en bas de la grange, hein, de l'autre côté. Ensuite, quand vous sortez de la longue grange, il y en a une. Il y a un coffre juste à gauche dans la petite cabane, là, juste au bout. Donc là, il y est. Il y est, mais il a été ouvert par quelqu'un d'autre, donc juste ici. Maintenant, je vais vous montrer le coffre qui se trouve dans la grande grange rouge. Donc, je monte par en haut parce qu'il se trouve juste en haut ici. Donc, je vais casser ce toit-là. Normalement, il sera juste en dessous de moi. Merde, je suis tombé. Voilà, il se trouvait juste là, mais il a été ouvert aussi. Donc là, je vais vous montrer le coffre qui se trouve juste derrière la grande grange rouge. Donc, il se trouve dans cette petite grange. Apparemment, il a été pris aussi parce que le... Ça a été ouvert. Ouh, il y avait même un piège, j'ai failli me le choper. Donc voilà, il était ici. Ah merde, j'ai plus de temps pour vous montrer le reste. Donc ce que je vais faire, c'est que... Bah, je vais vite vous les montrer, mais vite fait quoi. Donc il y en a un qui se trouve dans ce château d'eau là. Faut le casser. Alors il y en a un qui se trouve aussi ici, à l'arrière, tout au fond. Il y en a un autre qui se trouve juste là-dedans, donc derrière cette plateforme là. Ensuite, il y en a deux dans la maison. Donc, il y en a un dans le toit, juste ici. Et il y en a un autre dans le toit, juste ici. Ensuite, il y en a un dans la petite grange, tout là-bas. Et il y en a un dernier qui se trouve dans une petite faille. Il se trouve juste là-bas. Donc, je vais aller jusque là pour vous la montrer. Donc, vous allez tout au fond de Anarchy. Et vous regardez en bas. Juste ici, et là justement il y est. Donc il faudra casser cette petite plateforme, ouvrir le coffre, et après ben voilà hein. Donc là je vous ai montré tous les emplacements des coffres de Anarchy Acre.
Donc là, je vais essayer de survivre, mais je pense que c'est mort. Hein. Bon, j'ai quand même une trousse de soins, je vais la mettre maintenant. Voilà, c'est parti. Et là, je vais essayer de rejoindre la zone qui est super loin, donc c'est impossible. Donc c'est pas grave. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller ouvrir tous les coffres qui ne sont pas ouverts à Anarchie Acre. Comme ça, bah, je vais peut-être pouvoir ouvrir 10 coffres. Non, je pense pas, mais ce sera déjà des coffres que j'aurai déjà fait. Donc ici, bah, apparemment, il était ouvert. Non, il n'y était pas. Dans la maison, ça, c'est pas trop la peine que j'y aille parce que ça a déjà été ouvert. Et j'entends pas de coffre. Ici, peut-être qu'il a pas été ouvert, donc on va aller voir. Donc c'est ici, vous rentrez là, vous regardez là. Et là, il n'y est pas. Donc voilà, là, j'ai fait tous les coffres de Anarchie et je peux pas en ouvrir un de plus. Donc là, je mets un trampoline. C'est la zone, elle continue à avancer là. Je sais pas si j'y arriverai, mais on va essayer. Si j'arrive à aller au bout de la zone, ce serait un miracle, hein, franchement. Il y a peut-être moyen, en fait, il y a peut-être des chances. Alors, en tous les cas, je suis resté je sais pas combien de temps en hors zone et je suis toujours pas mort, donc c'est vraiment incroyable. Là, je rattrape la zone, on dirait. Hein. Donc j'ai construit une rampe super haut avec tous les matériaux que j'avais pour essayer de rattraper la zone. Et regardez-moi ça, j'y suis presque les poteaux. C'est vraiment incroyable. Oh my god, je savais pas que c'était possible. En plus, la zone, elle me faisait 2 de dégâts. Et puis quand elle a commencé à redémarrer, elle me faisait plus que 1 de dégâts. Donc c'est vraiment cheaté, quoi. On va pas se mentir, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'avais un trampoline, sinon ça aurait été mort, quoi. Dommage, je finis un top 5, mais c'est pas grave. Donc là, on va voir si mes coffres se sont bien validés en mode temporaire sniper. Et apparemment, oui, en fait, ça a été validé parce que j'en avais 0 sur 7. Et là, j'en ai eu 1 sur 7. Mais je pense que j'en ai ouvert qu'un au final parce qu'en fait, tout était déjà ouvert quand je suis arrivé. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh.